Rester toute la journée assis derrière un bureau, c'est vraiment pas pour moi. Petit, j'ai voulu être archéologue. Après, j'ai voulu être cuistot et au lycée, j'ai failli partir en CAP cuisine. Moi, c'est Aymeric, j'ai 20 ans, je suis originaire de Montauban et après 2 ans d'études sur Nîmes, je suis revenu taffer sur Toulouse. Aujourd'hui, je suis étancheur. Ça veut dire qu'en gros, je fais l'étanchéité des toitures et surtout l'isolation des toits. Ça va surtout nous servir à réduire la consommation énergétique des foyers et baisser leur facture de chauffage. Sans hésiter, ce qui me plaît dans mon métier, c'est le plein air. Moi, personnellement, j'ai toujours aimé ça. Être à l'extérieur, ça a aussi toujours été un kiff. Pour la faire courte, à 6h30 environ, je pars de chez moi. Ce qui est vraiment sympa, c'est que vers 16h, 16h30, je suis de retour à la maison et j'ai quand même pas mal de temps devant moi. En plus, on fait plein de rencontres, on croise tous les corps de métier sur un chantier, on peut toucher à tout et apprendre toujours des nouveaux trucs avec nos collègues. Pour le moment, mon objectif, c'est de continuer à me former, j'apprends encore tous les jours. Et peut-être qu'ensuite, je passerai conducteur de travaux. Ces 2 dernières années, j'étais en BTS enveloppe du bâtiment, en alternance. J'ai eu la chance d'avoir des aides de la région pour me loger et me déplacer. Là, je viens de signer un CDI. Après, faut dire que dans le bâtiment, ça recrute pas mal quand même. Moi, pour l'instant, je me vois pas bosser dans un autre domaine que le bâtiment. En fait, je suis même pas sûr de trouver un métier qui pourrait me plaire autant. Et puis, je me suis bien intégré dans cette branche, c'est mon truc, tu vois. Toi aussi, trouve ta voie en Occitanie, avec l'aide de la région et de ses partenaires sur meformerenregion.fr.